Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, troisième épisode depuis la mise à jour Fast and Formidable. Nous testons encore nos robots, nos différents robots. Je sais pas du tout, je l'ai pas du tout testé celui-ci. Ça se trouve, il ne va pas voler du tout, ce qui est fort possible d'ailleurs quand je vois l'équipement entier qu'il supporte. Il vole! Je suis le premier surpris. Il est plus ou moins aussi lourd que mon autre robot. Au niveau des déplacements, vous savez, sur le... Sur le pivotement, on va dire. L'axe de pivot. Et apparemment, il se repose tout seul si je lasse l'espace. Je me trompe? Ouais. C'est ça. Donc, si jamais je lâche l'espace, il vient se reposer au sol. Bon, bah, ça résout certains problèmes. Hop, tu le sens celui-là? Hop. Je me suis mis à couvert, ça te dérange pas? Ça le dérange lui apparemment. Ok. Par contre du coup oui, je suis un support, j'aimerais pas partir en front comme ça. J'arrive. J'arrive. Voilà, on y va. Alors je suis désolé, j'ai plus du tout de heal à te proposer, Simone. Et il est bien à couvert celui-là. Ah merde, merde, je cogne. Ah, je cogne partout. Désolé mon ami, désolé. Ah, j'ai essayé. Je te promets que j'ai essayé. Ah bla. Ah. Ah. Ah, je peux plus. Je fais pas de dégâts avec ce robot. Ah, je peux pas me défendre. Je peux absolument pas me défendre. Hein. C'est une pause, ce n'est rien. Si je pouvais être aidé, ce serait cool. Vas-y, passe au-dessous. Ah, c'est bon. Allez, attends, je vais aider mon copain là-bas parce qu'il est à dans le chien aussi. Allez. Mais tombe. Ok. Ok, hop. Pourquoi je... Ah, d'accord. Ok. Je pensais ça avoir des copains à heal par là. C'est quoi ces bruits? Ah! Je fais pas de dégâts du tout. C'est bon. Merde! Hop, les ratés. Quoi, tu m'as touché quand même? Tu es un salaud. Tu es l'enfant d'une vilaine personne qui fait un drôle de métier. Tard le soir. Hop, les... Ouais, 151, on a obtenu une boîte. On a obtenu une boîte. J'arrive. Je crois que j'ai aidé un autre copain au passage, mais... Falcon! Punch! Waha! Waha! Falcon! 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 J'appuie sur 5 mais mon machin marche pas! Parce que je suis déjà full! Falcon! Punch! Falcon! Punch! Falcon! Punch! Ah! Ça fait une demi-heure que je te heal! Peux-tu péter cet enfoiré, s'il te plaît? Merci! Ça serait cool! Mais putain, mais tire-lui dessus! Je peux pas tirer sur tout le monde!
Redescends. Sinon, je vais rien pouvoir faire pour toi. Bon, bah, je peux rien faire pour toi, désolé. Toutes mes condoléances. 4! Vas-y, feu! Feu, vas-y. Non, mais excuse-moi, j'ai joué au con, feu. J'ai dit feu! Oh, Simon, dépêche-toi. Ils sont trop nombreux, recule. C'est bon ça. Ah, c'est marrant. La nouvelle mise à jour m'oblige à être support. Mais complètement support. Et malgré tout, je m'en sors pas si mal. J'essaye de venir. J'essaye. Et je suis parti. Eh ben non. Hey, hey. Je suis là, mon copain. Mon copain, repars au combat! Les héros ne meurent jamais! Si tu vois ce que je veux dire. Les héros ne meurent jamais! Je connaissais les paroles par cœur avant. Ça c'était avant. Téléporte à con! Non, plus besoin. Oh, merde, copain! Il, copain! Prends ça, copain! Vas-y! Va déchaîner la mort et la destruction! Hop, on y va, je suis dessus, c'est bon. Avec mon petit piou-piou. Hop. Je suis dessus, patron! Oui, patron! Oh merde! J'ai pas réussi à venir à temps! Je suis désolé, soldat! Oula! Croyez que. Tu me cherches? Hop! Aurais-je été spotted? Non, j'ai pas été spotted. Bon. Ah! Un nain de jardin! Un nain de jardin! Oula, on a un mec qui veut rusher! C'est toi qui as dit ça? Vas-y! Je te healerai quand on aura besoin! Yop, la nohu, la panonotu, ma banana, laquelle loupita l'amou, banana, papa, papa, nanana. Pourquoi c'est moi qui me prends tout? Vas-y, dégonce-les, vas-y, je te heal là, mec, vas-y. Merde. Vas-y! Pourquoi tu fuis comme un lâche? Ah! Que de toi, j'étais obligé de fuir aussi. Bah, sans nous, ils y arrivent plus, les mecs, hein. Bah, banana, laquelle hôpital à nous, banana, banana, potato, banana. Je reviens te healer, mon gars, vas-y, reviens par là, la. Couvre-moi un petit peu. Parce que moi je fais des choses artistiques là, mais pas très utile. Tu pourrais venir m'aider? Non? Merci? Non? J'ai cru l'espace d'un instant, mais non. Taïo! Ferme ta gueule, répondit l'écho. Blah. Ah!
Ah, j'ai pris cher. Attends, j'arrive. J'arrive, copine. J'arrive, copine. Vas-y, vas-y, vas-y. Tape, tape-le, 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 putain. Voilà, c'est bon. Yep, la nou, la panono tout. Ma banana, la que l'hôpital à nous, banana, pap. Sors de ton invisible. Que je puisse te heal. Je continue. Allez-y, les copines, c'est bon. Vas-y, je te heal, moi, partout. Vla, 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 comme je te heal. Ah, mais allez-y, mon dieu. Je peux pas tout faire moi-même. Ah là là. Faut tout que je vous apprenne, hein. Allez, on chope la tour. Appelez. Comment je l'ai... Ah! Il était là. Hop. Hop. Allez, filles, on y va. Allez, les filles. Yop, la nohou, la panono tout. Hop. Ah, je me suis planté dans le sol, semble-t-il. J'ai pas entendu un mec taper là-dedans. Non. Hop. Bah alors. Ouh, faut que je recule. Voilà. Yop, la nohou, la panono tout. Ma banana, la que l'hôpital à nous. Banana, ba, 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 ba. Aidez-moi. Aidez-moi ou je vais bientôt décéder. Aidez-moi ou je vais décéder. C'est bon. Vous m'avez pas aidé des masses. Non, pas toi! Ils t'ont eu, mon ami! Vengeance! Hop! Victoire! Eh ben, il est vachement bien, ce robot. Il est vraiment très, 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 très bien. Fou! Eh ben, dis donc, on est au-dessus de la mêlée avec un robot heal. C'est cool! T'as donné des idées à certaines personnes? C'est cool. C'est cool, c'est cool. On n'est pas trop au-dessus parce que le deuxième est juste à côté, mais j'ai pas vu le troisième, cela dit. Mais bon, c'était cool. Franchement, je me suis éclaté sur cette partie. Cool. Hop. Donc on a deux protos, hein, vous voyez. Vu qu'on a gagné un level. Un level égale une proto. Ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, donc ce robot-là est toujours efficace. Celui-ci. 1650 CPU tout rond. Celui-là, j'ai bien envie de le revendre pour voir s'il n'y en a pas des plus efficaces. Si vous en avez des plus efficaces, chers amis, dites-le moi dans les commentaires, j'irai voir. Celui-là, je m'en rappelle que trop bien et il n'était pas très efficace. Donc je vais le vendre, enfin le démonter plutôt. Ce Tesseract-là, j'aimerais le garder. Mes robots à moi, là, mes trois robots, là, j'aimerais bien les garder, même si je sais qu'ils sont plus du tout efficaces. Hein, je m'en doute, chers amis, ne vous inquiétez pas. Hein. On va aller voir pour la blague en test, mais je me doute qu'ils sont plus du tout efficaces. Il est tout lent maintenant en plus. Ah là là. Ah, c'est dommage. J'adorais ce robot. J'ai adoré ce robot. Visuellement et... Pour tout le reste, je l'ai vraiment adoré et... Maintenant, il est super lent. Hop. Ah, c'est dommage.
Falloir que je me refasse un robot aérien. Falloir que je me refasse un robot aérien. Bon. Bon, j'ai déjà quelques petites idées, chers amis, hein, je l'admets, mais... Ah, c'est dommage. Bon, bah, adieu, White Tiger, hein, je vais devoir te... Te supprimer. Désolé, je t'aimais beaucoup. T'étais vraiment très très bien comme robot. Ok. Et toi, est-ce que tu voles? Parce que je sais que t'es trop long. Et un poil fragile. Qu'est-ce que tu deviens? Oula. Alors, tu as gagné en vitesse, tu as gagné en agilité. Qu'est-ce que je pourrais lui rajouter à ce robot? Qu'est-ce que je pourrais lui rajouter? Un blink? Qu'est-ce que vous en pensez? Un blink module? Ah, ça m'intéresse. Je sais pas si j'en ai un dispo, cela dit. Je crois pas. Je vais aller voir, mais... Je pense pas en avoir un dispo. J'en ai un dispo. Ah! Le MP, je l'utilise pas, c'est dommage, je devrais complètement. Lui, par contre, peut-être lui rajouter un petit blink. Edit. T'es sur une base de combien? 2-3, ça tombe bien. Ça tombe atrocement bien. Alors, est-ce que je lui rajoute de manière sale ou est-ce que je lui rajoute de manière propre? Je peux le rajouter. Vous voyez, sur un truc de ce genre-là. Ça c'est très très moche. D'accord, je crois que c'était des boucliers, ça. Mais non. Enfin, je crois que c'était des cubes de ce genre. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Essayons autre chose. Crac. Est-ce que lui faire un gros dos, comme on dit, hein? Ouais, j'aime bien. J'aime bien, malgré tout. Du coup, ici, hop. Hop. Ok. Maintenant, je peux rajouter ceci. C'était la longue? C'était la longue, ok. Hop. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était la couleur que je voulais récupérer, moi, Simon. Merci. Voilà. Et maintenant, je peux normalement rajouter mon blink module et on va voir si, oui ou non, il sera suffisamment efficace. S'il aura légèrement, comment dire, rattrapé. Et je me doute que ça va pas passer. Est-ce que l'autre truc passe, cela dit?
Non, ouais, ça je me doutais. J'en doutais un petit peu. Par contre, est-ce que je peux le colorer en... Waouh. Et ça passe comme papa dans maman. Ok. Ouais, j'aime beaucoup ce robot maintenant. Il a encore plus de gueule, il est un peu plus mis à jour, si je puis dire. Sauf forcément au niveau des dégâts. Et malheureusement, je peux pas faire grand-chose sans le... Sans le désarticuler, si je puis dire. Sans le comment le décentrer et le comment le... Décentraliser son poids. Vous voyez déjà là. Ah non, il est toujours aussi bien. Ok, deux. Oh là 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 là. Ouais, alors ça faudra faire attention. Un Marcus. Ça faudra faire attention. Merci, jeu. Allez, allez. Bon, c'est bon, il se remet en place. Ok. Donc lui, normalement, ne s'occupera pas uniquement des tours, hein. Qu'on s'en... Ah la vache, je peux toucher le plafond avec celui-là. Comparé aux hélicoptères. Waouh! Eh ben, je vais faire des dégâts avec ça. Allez, on va le tester. On va le tester, chers amis. On va bien voir. C'est bien d'en parler maintenant, il faut le voir aussi en action. Parce que s'il est trop fragile ou n'importe quoi, on l'a dans le fion, hein, techniquement. Back to main menu, on y va, on le teste. Hop. Et moi, je vais faire un petit trait sur mon troisième épisode. Hop, voilà. J'ai des mouchoirs de partout, j'ai eu une grosse fuite de, comment, de liquide hier soir au niveau de ma cigarette électronique, c'est la dèche. Ça sent le citron d'ailleurs encore partout, parce que c'est une espèce de parfum citron, enfin citronné. C'est la dèche, c'est la grosse grosse dèche. Enfin bon, c'est pour la blague. Alors, au niveau du cadre, quand je suis comme ça, on me voit, quand je suis comme ça, on me voit, quand je suis comme ça, on me voit, quand je suis comme ça. Ah bah c'est cool, je suis pas sorti du cadre, hein. C'est vraiment bien. Ok. Bon, est-ce qu'on va trouver? Alors, ce qui va être aussi efficace en Battle Arena qu'il est censé l'être, est-ce qu'il ne serait pas plus énorme? Parce qu'on, faut, si je pense que si je prends un type de partie où il y a des kills, je ne serais pas bon. Parce que je pense pas qu'il soit suffisamment costaud, suffisamment solide. Oh, il est beau quand même, hein, merde! On peut difficilement faire plus beau, honnêtement! Il est gracieux, comme on dit. Hop, allons-y. On va prendre de l'altitude. Hop, ah, il monte pas encore tout à fait tout en haut. Ah la vache, il est même en train de décrocher. Ah, je suis vexé. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gameplay d'avion, hein. Hop. Sinon, je pense que plus j'aurais... Ah. Hop. Voilà. Alors, forcément, je tombe sur la première map avec sur un ennemi qui a un avion capable de tirer dans l'air, enfin avec des armes de... Voilà. C'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant. Ce jeu m'écœure. Bah vas-y, défonce-moi, hein, de toute façon. Oh, puis c'est un Tesseract de merde! Ta maman suce des bites en enfer! Voilà, c'est dit. Putain. Bon, je vais m'occuper des kills. Je vais tenter les kills. On verra bien. Hop. Hop, bouffe. Merde, il va repop bientôt. Putain, salaud. Ah, la vache. Petit peu d'énergie. Crac.
Putain, c'est leur Tesseract qui font tout, quoi. Hop. Ah, puis je me fais règle de tous les sens, quoi. Je tombe sur une partie où il y a tout ce qui pourrait me contrer. Des Tesseract. Ah, oh, c'est écœurant. C'est écœurant. Ce jeu est écœurant. C'est écœurant. Je lâche les mains. Vas-y, tuez-moi. Merci. Hop. C'est écœurant parce que je me demande comment le matchmaking est fait. Parce que franchement, je suis jamais du côté où il y a les gens qui ont les armes anti-aériennes quand il y a que de l'aérien en face, quoi. C'est chaud. Hop. Hop. Mais non, mais non, mais non. Putain, mais c'est ce fichu Tesseract. Putain, mais vous allez les nerfer ces Tesseract ou pas? Merde. C'est même pas censé voler, putain. Ah, ça me gonfle. Il y a deux Tesseract dans l'équipe. Dans l'équipe adverse, et c'est ça qui me tue, quoi. Allez! Et ces tirs là qui se basent uniquement sur la chance ou la proximité, mais c'est débile! Putain, et je peux rien faire. Je peux rien faire. Oh la gueule. C'est écœurant. C'est écœurant, c'est écœurant. Enfin bon. Comment voulez-vous qu'on ait le dessus? Trop loin. Voilà, ça t'apprendra. Il a déjà repop, hein, je veux pas dire, hein, mais. Hop. C'est un petit peu de heal, je suis preneur. Petit peu de heal. Petit peu de heal. Non. C'est ce mec là qui est en train de faire toute la game. Hop. Allez, bute le tant qu'il est au sol, hein, parce que moi, putain, mais. Et c'est la seule fois où je prends mon vaisseau avion. Vous avez vu le nombre d'ennemis qui se bouffent des putains d'aéroflaques? Ça m'écœure, ça m'écœure. Moi, quand je prends mon aéroflaque, j'ai zéro ennemi en face qui a un putain de vaisseau volant. Casse-toi! 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 Voilà. Ça me saoule. Ça m'énerve. Ça me gonfle. Putain. Alors, ils voulaient, dans cette mise à jour, je précise, cette mise à jour voulait qu'on voit des personnages un peu plus spécialisés sortir. Un peu moins de persos avec plein d'armes différentes et des persos un peu plus spécialisés. Je veux bien. Mais putain. Et voilà, il recommence. T'es même pas censé pourriser ton machin correctement, normalement, toi. Je me fais rect. Ta mère suce des bites en enfer, Yachou. Voilà, c'est dit, j'en ai plein le cul, j'en ai franchement plein le cul. Voilà, c'est tout ce qu'il sait faire. Lui, il évite les ennemis avec des armes qui ne font pas de dégâts. Enfin bon.
Hop. Hop. Ah mince, on m'appelle. Bon bah je vais rappeler plus tard, de toute façon c'est la dernière game de l'épisode, donc hop. Hop. Et bah vous allez attendre, c'est pas grave, c'est qui? Ouais c'est bien ce que j'attendais. Bah vous allez attendre 2 minutes hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Ce que je vais faire. C'est que je vais tenter un rush qui n'aura pas bougé, qui n'aura pas servi. Hop, ça va rappeler dans quelques secondes à tous les coups. Hop. Alors. Est-ce que nos copains vont réussir à avoir le point ? Le petit devant, voilà, parfait. GG à toi. Allez Marcus, on y va. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y'a quoi, y'a 30 secondes? Apparemment j'ai pas le droit de les spotted, allez comprendre. Hop. Allez. Faut y aller les filles là. Il reste quoi? Il reste une façade. Peut-être deux. Ils ont récupéré une tour. Ah ça pue un peu plus par contre. Faudrait se focus sur la tour. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Mais c'est vrai que la map est compliquée encore. Vous voyez là, il y a un passage, mais en fait, on peut pas y aller directement. Faut faire tout le tour. Hop, allez, on y retourne. Hop. Allez, on s'en fout de l'ennemi. Il aurait fallu que je réussisse, c'était... Ah, dommage, il aurait fallu que je réussisse à la reprendre. Ce qui devrait être faisable d'ici quelques secondes, de toute façon, après, une fois qu'ils l'auront rejoint. Voilà, merci. Ça, c'est assez cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de contourner la base, contourner l'ennemi. On va bien voir. Si ça peut passer, ce serait cool. Et merde, forcément. Demande pourquoi j'ai espéré pouvoir y arriver. Voilà. Je me demande vraiment pourquoi j'ai espéré pouvoir y arriver. Faudra m'expliquer pourquoi il y a un mec qui a 0 kill et qui a un score plus haut que tout le monde. Parce qu'il y a... voilà, non, parce qu'en fait c'est moi qui me suis planté, voilà, simplement. Ce sont des choses qui arrivent, chers amis, voyons. Allez, tire. Tire. C'est bien, on devrait l'avoir. On devrait l'avoir, il n'y a plus qu'à rush, putain, il y a lui encore. Et merde. Non, tu ne m'auras pas. Tu ne mourras pas, te dis-je. Putain, il est juste là. Dash! Parfait! Oui! 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 Wouh! Ah! Dash!
Bon bah ce robot est efficace quand on tombe même sur une partie où c'est un peu plus compliqué que prévu. Il a réussi à faire le café. Bon bah écoutez. Tant mieux. Lui, je vais le mettre en vente si vous le réclamez, bien sûr, hein, uniquement si vous le réclamez. Parce que je peux comprendre qu'il ne vous plaise pas forcément. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les robots cosmétiques. Moi, j'aime bien les robots. C'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est parce qu'il y a un petit côté vraiment cosmétique. Enfin bon, 9000 d'XP en plus, c'est parfait. Une gold avec 3 légendaires dedans. J'aurais essayé. J'ai essayé de la gold. Par contre, c'est nul d'avoir du gold avec du blanc. Franchement. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!